Bienvenue sur Chanel. On se retrouve aujourd'hui pour se maquiller avec les produits de ma rotation make-up. Et voilà. Update œil qui coule. Non, masque pas mousse. Je pense que c'était ma crème contour des yeux, mais j'ai toujours cet œil, celui-ci, qui larme moi au printemps. Donc ça c'est pas grave. Mais aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais inverser. Savoir est-ce que c'est l'œil qui rend moi. J'attends encore mon paint pot. Et celui de... comment il s'appelle? Urban Decay. On va tout essayer. Et peut-être ça peut aider quelqu'un, hein, je sais pas. Et en tout cas je vous remercie encore une fois pour toutes vos idées, vos recommandations, vos conseils. Parce que je ne sais pas tout, hein. Hélas, et ça m'aide énormément. Donc je vais prendre ce pinceau. C'est bien pour appliquer du fard, ça. Enfin, du liquide. Enfin, un fard crème. C'est un pinceau de chez BH Cosmetics que je voulais pas forcément acheter, mais je sais pas, je voulais remplir une commande et je me suis dit, ah, peut-être cette forme pourrait aider à quelque chose. Non, rien du tout. Tout du moins, j'ai pas encore trouvé. Voilà. Je vais le garder de côté, tiens, pour plus tard. Ok, je vais commencer par la couleur qui s'appelle... Donc, je prends ma palette Sigma Corde Rosa. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Corde Rosa. C'est elle. Je sais pas trop quoi faire. Peut-être un smokey eye. Je sais pas, j'avais envie. J'ai envie de faire un smokey eye. Ouais. On va faire un smokey eye. Allez. Parce que ça fait pas changement. j'ai pas envie de décrire autre chose. Je vais prendre ce gros pinceau de BH Cosmetics. Et ça va être ma couleur de transition. Ça a l'air rose dans le pan et en fait c'est un petit... on dirait c'est un petit pêche en fait. Lui, il coule déjà. Je viens de finir le film très nouveau qui s'appelle Légende d'automne. Je sais pas si vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu parler de ce film. C'est un vieux film avec Brad Pitt. Entre autres, avec le mec qui joue Elliot dans E.T. avec Anthony Hopkins, avec... c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres gens que je connais? Les autres, j'arrive pas à savoir c'est qui, mais je les ai déjà vus quelque part. J'avais oublié à quel point ce film était merveilleux. J'ai eu de l'émotion à la fin. J'avais oublié l'histoire. C'est bien de re-regarder les films que tu penses avoir aimé, puis tu revois, puis tu dis ah. J'étais pas dans le même mood quand je l'avais vu la première fois. Et qu'est-ce qui se passait ici? J'ai des petites cicatrices, donc il se peut que ce soit ça, c'est pas mon blending, parce que d'après ce que je vois, mon blending est bon ici. Et oui, c'était bien. C'était vraiment un film genre sur plusieurs années, une histoire de vie. Et j'aime vraiment beaucoup ce genre de film là. Et ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Donc je prends la couleur qui s'appelle Damask, le rose. Ouais, c'était cool. Je vous le recommande. J'ai revu sur Netflix. Il est sur Netflix. Et ça va être ma couleur de cuisse. Je vais faire un smokey eye qui va pas jusqu'ici, genre la majorité des fards. Je vais y arriver. Je m'arrête au milieu. Ce pinceau de AOA et je prends la couleur qui s'appelle Shakespeare. Ici. Et ça va être ma couleur de coin externe. J'ai aussi sorti un petit super shock shadow pour ajouter un petit pump it up. Ok, ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle Dark Knight, l'espèce de bordeaux. Et je vais mettre ça au milieu avec ce pinceau de Morphine. Ouh.
Dès que j'ai déjà fait un look ressemblant, ça se trouve c'est exactement le même look que j'ai fait la première fois, je sais pas, j'ai pas re-regardé. Je vais reprendre la couleur Shakespeare et faire un bout de gradé ici. Et là on va mettre le super choc. J'ai laissé le son parce qu'on est le jour du lancement au moment où je vous parle. Et j'aime bien mettre le son, vous le savez. D'ailleurs merci pour toutes vos commandes, ça me fait super plaisir que cette collection vous ait beaucoup plu. Je tiens aussi à dire que quand vous encouragez Ketchup Fantasy, vous n'encouragez pas une personne, vous encouragez déjà moi et Mathieu. Mais je travaille aussi avec 4 petites entreprises tenues par des femmes vous encourager en fait beaucoup plus en réaction en chaîne et je voulais vous le préciser parce que ça compte et je suis toujours très contente quand je passe commande chez elle pour telle ou telle affaire parce que moi j'ai l'impression d'encourager quelqu'un grâce à vous. Voilà, je prends ce super choc shadow qui s'appelle Fame Game avec un pinceau perle anal de BH Cosmetics. Et c'est bien plus bleuté que ce que je pensais. Let's roll. En fait, je pensais que la palette allait être moins bordeaux. Déjà. Moins bordeaux violet. Et je prends un pinceau plat et fluffy pour estomper le rebord, comme on aime bien le faire. Ouh. Et je vais prendre la couleur Belle of the Ball ici. Et je vais mettre ça dans mon point terme. Il me semble qu'il me faudrait une couleur encore un peu plus pâle. Parce que c'est beau, mais c'est. Il y a comme un sous-ton foncé. J'ai dû le dire la dernière fois, mais j'ai oublié encore une fois. Je vais prendre une couleur un peu plus pâle dans. Ma palette Project Pan Amstramgram, laquelle je prends? Le rouge ou Space Bear? Red Giant. Celui-ci. Je suis sûre que ça va sortir vert. Ça serait pas si grave. Je ne sais jamais comment ça va tomber. Bon, ça sort rouge. C'est un fard de Terra Moons. Qui est plus lumineux, c'est plus beau. Quelqu'un m'a demandé est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur tes favoris de Terra Moons. J'ai pas de favoris, ils sont tous beaux. Red Giant, je trouve que c'est le plus unique. Parce que c'est un transparent avec une base rouge super lumineuse. Et avant ça, j'en avais jamais vu. Et je pense pas en avoir vu d'autres depuis. C'est bien ça, non? C'est intéressant. J'aime bien. Ok, je vais faire une partie de mon teint, je vous reviens pour la suite. Et c'est parti. Attention, je ferme mon super choc, attention. Attention! J'ai pas mis de fossiles aujourd'hui, j'avais pas envie. C'est une bonne raison quand même, non? Si. Je vais quand même mettre un crayon, un eyeliner dans mon ratine inférieur. Alors, il n'y a plus rien écrit dessus, c'est un eyeliner de chez Colourpop, mais... Tout s'est effacé. Voilà. That's it. Donc on va finir les yeux comme ça. Je vais faire un œil à la fois. Je vais prendre... J'avais sorti un pinceau. Je sais plus où je l'ai mis. Ah, petit pinceau de AOA. Je trouve que c'est quelqu'un qui a rempli sa piscine. C'est ça l'eau que vous entendez. Si vous entendez de l'eau, je crois. Ou alors je suis en train d'avoir un arrêt cardiaque. Ah, bon, je vais prendre la couleur qui s'appelle Damask. Et je vais estomper ça en bas.
Ça faisait longtemps qu'on n'était pas mixomaté comme ça. J'aime bien. Ça ne se démode pas. Je vais ensuite reprendre la couleur Red Giant. J'adore. Et boucle d'oreille Ketchup Fantasy. Couleur violet. C'est les fans. Éventail. Je mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Je vais prendre. Où est-il? Le highlighter de Colourpop et Zoella. Celui-ci. Voilà. Ensuite, le blush de Too Faced. Yes. Ensuite, le bronzer de CoverFX. J'ai déjà préalablement mis. J'ai fait du contouring aujourd'hui. J'ai choisi mes batailles. J'ai préalablement mis mon bronzer crème et par-dessus, je vais mettre mon bronzer de CoverFX. Alors, je suis pas sûre d'apprécier avec ce pinceau par contre. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Je vais mettre un petit coup de pchit de Colourpop. Ah. Sorti mon éponge que j'ai préalablement pas mouillée. J'ai oublié, ça va. Et pour finir, j'ai sorti un gloss de ma rotation make-up de Buxom qui s'appelle Sophia. Il y a des gens qui préfèrent appliquer le gloss avec les embouts comme ça, mousse, et d'autres avec les embouts pinceaux. Quelle équipe êtes-vous? Personnellement, je préfère les pinceaux. Mais... c'est pas un deal breaker, genre ça m'empêcherait pas d'acheter un gloss que j'aime bien si c'est... peu importe l'applicateur. Donc en appliquant ce gloss, je vous informe qu'on a appliqué tous les produits lèvres de ma rotation make-up. Du mois. Il est trop beau. Ils sont un peu le café, c'est pas l'odeur préférée, mais il picote, il est un petit peu frais, mais il fait pas mal. Voilà pour ce look, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Et je mettrai bien sûr tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous retrouve demain. Pour le best of Colourpop. J'espère que vous allez être là. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!